Bonjour, chers abonnés. Bonjour tous ceux avec qui je fais des affaires depuis des années. Je partage toujours de très bonnes choses avec vous. Et aujourd'hui, en quelques minutes, j'aimerais partager une énième fois avec vous, le business le plus rentable au monde. Non seulement c'est un business rentable, mais durable durant des siècles. Un business que toi, si tu le fais, tu vas t'enrichir, enrichir, enrichir. Tu vas partir, tu vas quitter ce monde. Tes enfants, si tu leur enseignes ça, si tu leur fais écouter cette vidéo, tes enfants aussi vont s'enrichir année sur année s'ils ont compris la quintessence de ce petit message de cette petite présentation d'opportunités d'affaires que je partage avec toi maintenant. Si toi-même tu as compris et que tu peux leur rendre ça exactement, tu peux leur enseigner, tu ne peux jamais, jamais, jamais finir pauvre ta vie et ta progéniture ne peut jamais, jamais être pauvre. C'est un business durable dans le temps que dans les siècles passés, ceux qui sont enrichis l'ont utilisé ou l'ont exploité à bon escient. Et que si tu as de la sagesse et de l'humilité, si tu peux vraiment aussi prendre conscience de cela, cela peut t'aider. J'essaie de l'appliquer depuis quelques années et ça commence à porter fruit. Vous savez, quand tu apprends quelque chose de nouveau, ce n'est pas facile. Mais si tu fais un effort pour l'appliquer tel que je vais l'enseigner, tu ne peux jamais finir pauvre. Écoutez, mesdames et messieurs, la pauvreté, ce n'est pas seulement ne pas avoir de l'argent aussi, hein. La pauvreté, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, spirituellement, tu peux être pauvre. Mentalement, tu peux être pauvre. Et financièrement, physiquement, tu peux être pauvre. Et la première pauvreté, d'ailleurs, ce n'est pas le fait de manquer d'argent, c'est le fait de manquer des bonnes pensées, les bonnes idées, la lumière, la connaissance que tu n'as pas. C'est ça qui est la première source de la pauvreté, parce que ce sont des idées qui créent la richesse. Ce n'est pas la richesse qui crée des idées. Des gens étaient pauvres. Ils se sont levés un beau matin, ils ont eu une idée géniale, ils ont inventé des choses, ont créé des choses qui les ont enrichis. Donc, je vais te faire comprendre que ce que je vais t'enseigner, même si tu es pauvre actuellement, que tu peux y avoir confiance, que tu peux croire que c'est possible. Tu sortiras de là. Alors, c'est un plan business avec trois points importants. Trois points importants. Et les trois points importants, je vais les lister peut-être par ordre d'importance. C'est-à-dire, la première manière de se faire de l'argent, si tu as raté ça, tu auras raté les autres. Alors, à vos marques, on y va. Le premier point, la première chose que tu vas faire dans ce business, pour ne jamais, jamais, jamais manquer d'argent,
Enfin, la base que si tu n'as pas ça, tu ne pourras jamais t'enrichir à tous les niveaux. La prospérité, je vous ai dit, c'est pas seulement matériel, hein. La base, c'est que toi, tu dois reconnaître que toi, si tu es ici, là, c'est qu'il existe un être suprême qui contrôle toutes choses. Dès lors que tu nies son existence, l'existence d'un être suprême qui contrôle toutes choses, dès lors que tu nies ça, dès lors que tu refuses ça, c'est là même que ta pauvreté a commencé depuis des années. Dès lors que tu refuses qu'il y a un être qui coordonne tout, qui supervise tout, qui gère tout, qui crée tout, et à qui tout est uni vers lui, d'où le nom univers, uni vers qui? Tout est uni vers un être suprême. Univers, tu le prononces sans savoir ce que ça veut dire réellement, mais tout est uni, univers, tout est uni vers un être suprême qui contrôle tout. Vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes le projet d'un être suprême. La terre n'est pas un hasard. Le ciel n'est pas un hasard. Les étoiles ne sont pas un hasard. Il y a une cause. Cette cause est une cause intelligente qui a mis le soleil en un endroit précis, qui a mis la terre en un endroit précis, les étoiles, l'univers. C'est l'œuvre d'une grande, 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 grande hyper-intelligence. Dès lors que tu refuses qu'il existe un être suprême, je ne te parle pas de religion. La religion, c'est l'œuvre humaine pour aller vers Dieu. Je ne te parle pas de ça. Donc, chacun crée sa religion, ce n'est pas de ça. Je te parle de quelque chose de fondamental, sans lequel, quelque chose, sans lequel toi, tu n'es pas. Avant de quitter ce sujet pour aborder le deuxième sujet, je te pose une question. Est-ce que tu as demandé à être ici? Bah. Donc, tu es dans le projet de quelqu'un qui a demandé à ce que tu sois là. Et quand il décidera que tu ne sois plus là, tu ne seras plus là. Ah oui, tu n'as pas demandé à être là. Et puis quand tu vas partir aussi, tu ne demanderas pas son avis. Hein? Tu ne demanderas pas son avis. Savoir cela, reconnaître cela et se plier à cette vérité fondamentale. Savoir cela. C'est le début de ta sagesse. Et le début de ta sagesse commence avec quelque chose que tu viens d'obtenir ou bien que tu as, qui est de l'humilité. Ne pas reconnaître le Père. Quelqu'un dira, c'est Jésus, dit n'appelez personne Père, car vous avez un seul Père qui est en haut. Qui contrôle tout. En haut, quand on dit en haut, c'est relatif. Parce qu'en bas aussi, c'est en haut. Oui. Voilà. Parce que la terre sur laquelle nous nous trouvons, il y a des gens, eux-là, leur tête est tournée comme ça vers le bas. C'est-à-dire que d'autres sont en haut ici, d'autres sont ici sur la terre, d'autres sont ici. Donc, eux, là en haut, c'est comme ça. Ceux qui sont ici en bas, leur en haut, c'est comme ça. Donc, toi qui es ici, ton en haut, c'est comme ça. Donc, ceux qui sont ici, là, en haut, c'est comme ça. Tu comprends ça?
Donc, en haut, là, en fait, on veut dire que il y a un être suprême. Tu peux ne pas le connaître, mais si tu ne le reconnais pas, c'est là que ta pauvreté a commencé depuis des années, que tu nies ça. Dans ton orgueil, tu ne peux jamais t'enrichir dans ton orgueil. Tant que tu n'as pas reconnu ce petit truc-là, ça te rattrape toujours. Parce que c'est là qu'est la base. Parce que quand tu le reconnaîtras avec humilité, tu vas commencer à te poser une autre question importante. Si je n'ai pas demandé à être là et que quelqu'un a osé à demander à aimer que je sois là, quel est son plan pour moi? Quel est son projet de vie pour moi? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens? Pourquoi il a voulu que je sois là? Le jour où tu vas trouver le sens de ta vie, ce pourquoi tu es là, la raison pour laquelle toi tu es là, ce jour commencera ta richesse. D'autres, vous perdez dans ça et là, parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Quand tu auras posé la question de pourquoi je suis là, puisque je n'ai pas demandé à être là, as-tu demandé à être là? Moi, je n'ai pas demandé à être là. Vers l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'ai pris conscience de mon existence. Et je me suis rendu compte que je vis. Maintenant, pourquoi je suis là? Je n'en sais rien, je n'ai pas demandé à être là. C'est le jour que tu vas comprendre, tu vas te poser ces questions, que tu vas réaliser en toute humilité que tu n'as pas demandé à être là et que quelqu'un a voulu que tu sois là, que tu es là. Alors, des orgueilleux me diront, mais ce sont mes parents qui ont voulu que je sois là. Et qui a voulu que tes parents soient là aussi? Et qui a voulu que les parents de tes parents, 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 de tes arrières, 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 parents soient là? Tu peux me répondre à ça aussi? Donc, si tu es là, c'est parce qu'il y a eu quelque chose jusqu'à en arrière, arrière, des milliers d'années en arrière. Tu peux comprendre ça? Bien. D'autres me diront aussi encore, toujours, ce sont mes parents, j'ai une autre réponse pour toi. Il y a des gens qui veulent des enfants entièrement qui n'en ont pas. Ah oui. C'est-à-dire, toi, tu crois que c'est parce que toi, tu veux faire, tu veux que tu fais, tu veux faire des enfants, que tu fais des enfants. Non, hein, pas forcément. Il y a des gens, ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont tout essayé. Ils n'ont pas d'enfants. Parce que l'enfant, ils n'ont pas, cet enfant ne doit pas naître. Mais il y a des enfants qui doivent naître. Il y a des gens qui doivent exister. Rien qui ne doit pas exister. Ou bien ce n'est pas le moment qu'ils existent. Ou bien ils ne doivent pas exister. C'est le premier plan business. La première partie de ton plan business. Le jour où tu auras compris cet élément-là. Et que tu apprendras à être humble. C'est-à-dire que comme tu n'as pas demandé à être, je vais demander, ben, celui qui a voulu qu'il soit là, quel est son plan pour ma vie? Quand tu t'auras posé cette question, ta richesse commence là. Vous qui remplissez les églises, les mosquées, si vous ne posez pas cette question fondamentale, c'est zéro. Vous allez vous plaindre, pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je fais à la mosquée? Pourquoi je fais cela? Et puis, je suis toujours pauvre. Votre richesse commence là. Et quand vous aurez posé les bonnes questions pour savoir quel est le sens de votre vie, ce pourquoi vous êtes là, c'est quoi? Des gens ne se sont pas posés ces questions. Ils ont cherché à avoir l'argent, les richesses. Vous savez comment ils ont terminé? Ils ont eu l'argent. Mais ils sentaient toujours un vide en eux. Leur vie n'a pas de sens, n'avait pas de sens. Ils se sont fait quoi? Ils se sont suicidés. Donc, ils se sont réfugiés dans la drogue jusqu'à ce qu'ils finissent par la mort.
D'autres sont réfugiés dans la richesse, la cupidité, 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 l'argent, 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 l'argent. Mais ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont vides. Ils sont vides, malheureux, misérables, terminent mal encore. Pourquoi? Ils n'ont pas l'essentiel. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas ça. Tu as compris ça? Je vais prendre du temps pour écouter ça. Tu auras sauvé une grande partie de ta vie. Une grande partie, comment dire, tu auras sauvé du temps. Le deuxième plan, business. Enfin, le plan business a trois parties. La troisième partie qui va t'enrichir, là, t'enrichir réellement, après cette base-là, parce que ça, c'est la base qu'on vient de voir. C'est comme s'il disait, c'est commission de parrainage, tu n'as pas encore ouvert ton binaire, tu veux gagner l'argent, tu ne veux pas gagner l'argent, là, on vient d'ouvrir le binaire, là. Le deuxième. Je prends du temps pour que quand tu enseignes à ton fils, tu sois aussi posé comme ça. Ce sont des choses précieuses. Le deuxième, il faut te comporter comme l'eau. Tu vois comment l'eau coule, non? Comporte-toi comme l'eau. C'est l'eau comme l'eau de vie, peut-être. Comporte-toi comme l'eau. L'eau est inarrêtable. Vous croyez l'avoir arrêtée, hein? Vous l'avez bloquée, non? Elle peut s'évaporer. Vous voulez la bloquer quelque part, non? Elle peut se transformer en glace. En fait, et l'eau ne se plaint pas. Elle est en train de couler, vous le bloquez, elle ne se plaint pas. Elle cherche toujours un autre passage. L'eau ne se plaint pas. L'eau vit ce qu'on appelle la gratitude. Tout ce qui lui arrive, il s'en sert pour avancer. Des gens voulaient tuer un animal, et ce n'est pas si un bœuf ou bien un animal qui était tombé dans un trou voulait finir avec cet animal-là. Bah, c'est un âne ou bien quelque chose de ce genre. Et chaque fois qu'il jetait des cailloux sur l'âne qui est dans le trou, l'âne s'en servait pour monter. Il va le tuer, j'ai des cailloux sur l'âne. Ça tape l'âne, bien sûr, ça le fait mal. Mais l'âne s'en sert pour monter. Il te jette, il va le tuer. L'âne s'en sert pour monter jusqu'à ce que l'âne puisse sortir du trou. Vous qui faites les affaires. Vous avez commencé une affaire bien, ça marchait bien. Et puis une situation arrive dans cette affaire. Vous gagnez bien votre argent. Et puis, quelque part, une situation indépendamment de votre volonté survient. Si vous avez cette philosophie de comportement de l'eau, vous n'allez pas vous plaindre. Je vois des gens qui n'ont pas cette philosophie de l'eau, du comportement de l'eau, que la nature nous enseigne, et qui se plaignent de tout le monde. Ils se plaignent de la compagnie. Ils se plaignent des leaders qui n'ont rien à voir avec ça. Ils accusent un tel. C'est à cause de lui. C'est à cause de ce leader-là. Il est en train de faire une autre affaire. Quand je vous regarde, je comprends que vous êtes très en retard sur quelque chose que je suis en train d'enseigner actuellement.
vous oubliez le premier point, ou bien vous ne connaissez pas. Dans la vie, il y a des choses qu'on a voulu faire par soi-même, on a essayé par tous les moyens. Mais il y a une chose que je vous dis. Vous devrez vous battre dans la vie. Vous devrez essayer votre tout, tout ce que vous pouvez faire. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Et quand vous atteignez cet obstacle, vous dites, ok, merci, l'aide suprême, que tu as voulu que ça soit ainsi. Et pour n'avoir pas compris la première partie, et que tu ne reconnais pas qu'il existe un être suprême, que par moments aussi, malgré notre volonté de faire ceci ou bien de faire cela, il peut arriver que cet être suprême exprime lui aussi sa volonté, même dans tes affaires. Je dis oui, ça va comme ça là, ça là, ça va comme ça. Parce que dans une affaire, il y a plusieurs intervenants, plusieurs esprits humains qui interviennent. Celui qui a créé son entreprise, c'est aussi un être humain qui a de l'esprit et qui est contrôlé aussi par un être suprême. Pour qui l'être suprême, c'est un plan. Peut-être il est en train de prendre un chemin avec son entreprise qui va soit nuire à des gens ou faire du bien à des gens. Je dis les deux, on ne sait jamais. Et le plan de l'être suprême pour celui qui a créé cette entreprise, l'être suprême dit ça suffit comme ça. Toi tel que je te connais là, je dois t'arrêter là comme ça. Ton projet que tu es en train de fomenter là, ce n'est pas bon pour mes gens qui sont dans ce business et ce n'est pas bon même pour toi-même. Tu as une fois pensé à ça? Ou bien, il y a des gens même dans ce business là, je vous ai dit, il y a plusieurs esprits, hein, qui sont dans ce business. Si l'affaire là continue là, eux là, ils vont mourir. Ils vont mourir, pourquoi? Parce que l'argent qu'ils ont eu, qu'ils vont avoir, ça les rendra tellement arrogants, tellement stupides, tellement cupides, qu'ils vont perdre leur vie avant le temps. Or, l'être suprême ne veut pas ça. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'argent, pas parce que l'être suprême ne veut pas qu'ils aient l'argent. Parce qu'ils avaient l'argent, ils allaient mourir tout de suite. S'ils ont l'argent. S'ils ont l'argent. S'ils gagnent l'argent tout de suite. Tu vas voir leur vraie nature. Ils vont se jeter dans la drogue. Ils vont se jeter dans les femmes, ils vont se jeter dans une vie à outrance. Ils vont perdre leur vie. Et qu'est-ce qui fait qu'ils gagnent l'argent et puis ils sont en train d'avoir cette vie? C'est ce business qui leur donne beaucoup d'argent. C'est ça. Malgré tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez penser que c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. On peut dire, l'esprit dit, arrêtez-moi ça. Et ça s'arrête là. Parce qu'on doit sauver des vies. Mais si toi, tu as perdu le premier point, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qu'il y a un être suprême qui coordonne tout, qui contrôle tout. Contrairement à ce que toi, tu penses. Tu crois que c'est toi qui contrôle ta vie là. Il peut dire stop là-bas. Tout sera bloqué. Je vous dis, il y a des gens qui ne doivent pas avoir l'argent maintenant parce qu'ils ne sont pas encore devenus sages.
Et la nature leur fait tellement du bien qu'ils sont bien actuellement dans leur situation-là. Vous croyez que l'être suprême qui est au ciel, bon, je dis bon, au ciel même, au ciel, bon, l'être suprême qui existe, qui est là, qui nous englobe, qui nous remplit, vous croyez que vous êtes plus bon que lui, quoi? Vous voyez des pauvres, dites, mais pourquoi ils sont pauvres? Ils ne sont pas pauvres parce que quelqu'un les veut pauvres. Ils sont pauvres parce que eux, ils doivent, ils sont, leur esprit, ils ont un esprit qui fait qu'ils sont pauvres. S'ils changent leur esprit, ils peuvent s'enrichir. Et oui, vous serez beaucoup surpris. Des gens qui vont dire que bon, mais pourquoi mon nom, depuis qu'on est né, notre vie est comme ça, notre vie, ça dépend de ta pensée. Ça dépend de ta parole, ça dépend de tes attitudes. Tu veux manger les meilleurs fruits de la vie? Change ta pensée et change ta parole. Nous parlions de l'eau. La quintessence, l'essence de ce troisième point, c'est que l'eau ne se plaint pas. L'eau accepte. Il s'en sert, il se sert de ce qui lui arrive et il avance. Jim Rohn dira que le même vent souffle sur nous tous, mais c'est la façon dont tu vas disposer ton voile que toi tu vas t'en sortir, que ton bateau va avancer. La manière dont tu vas disposer ton voile, le même vent souffle sur nous tous. Je suis dans un pays, il n'y a pas de boulot. Il y a la misère, il y a la pauvreté. Les jeunes finissent des études, pas de boulot. D'autres prennent leur temps à se plaindre. L'État n'a pas fait ceci. Le président n'a pas fait ceci. Ah oui, mais dans tous les pays, il y en a. Hein? Même aux États-Unis, il n'y a pas de boulot. Hein, le coronavirus encore. Mais qui de vous, par son inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, a dit Jésus? Qu'est-ce que vous gagnez à vous plaindre? Tu fais une affaire, c'est comme l'eau en train de couler comme ça, et puis on bloque le passage de l'eau. Vous savez ce que l'eau fait? L'eau cherche un passage. L'eau est inarrêtable. Tu ne peux pas arrêter l'eau. Tu veux réussir, tu veux être riche, sois inarrêtable, sois comme l'eau. L'eau ne se plaint pas. Il cherche un autre passage. Et des gens, des coachs vous le diront, quand une porte se ferme, une eau s'ouvre quelque part, une eau fenêtre s'ouvre, ou bien une porte s'ouvre. On ne peut jamais fermer les deux portes sur toi. Quand une porte se ferme, il y a toujours un passage autre, ailleurs. Mais vous restez là, à vous morfondre, à vous plaindre, à accuser. C'est telle personne qui a fait que mon affaire est en train de prendre un coup. C'est tel leader, l'entreprise là, le patron là, le CEO. Tu as tout ce temps-là. Tous ceux qui ont cette connaissance que je suis en train de vous donner n'ont pas ce temps. Remarquez dans la vie, les pauvres prennent tout le temps pour se plaindre. L'État n'a pas fait ceci. Et le gouvernement a fait ça. C'est à cause de ce président qui est venu là. Il se plaint. Mais dans le même pays, des gens se tapent l'argent et ils ne se plaignent de personne. Allez-y dans un lieu de pauvres. Ils sont toujours en train de murmurer, en train d'accuser les gens, et que c'est les riches qui sont méchants, ils se sont enrichis sur le dos des gens, ce sont les riches qui ont fait ça. Mais les riches, observez-les, vous n'entendrez jamais un riche se plaindre de quelqu'un. Non, il ne se plaint pas de quelqu'un. Mais tu te plains. Le petit réseau que tu as fait là, comment se plaindre des gens? Elle se plaint. Soyez comme l'eau. S'il est question de vous métamorphoser, de métamorphoser en vapeur, évaporez-vous. S'il est question de vous concentrer
pour devenir dur comme la glace, devenez la glace. Si on vous a bloqué le passage, que c'est un blocage, une montagne qui est sur votre chemin, un obstacle que vous ne pouvez pas le surmonter, mais contournez-le. C'est comme ça que l'eau se comporte. Soyez comme l'eau. Si tu enseignes ça à tes enfants, ils ne se plaindront jamais de quelqu'un. Vous m'avez une fois entendu me plaindre, Quand je fais des vidéos, souvent c'est pour dénoncer certains comportements. Dénoncer, ce n'est pas une plainte. Je dénonce que ton comportement que tu fais dans tes affaires-là, ça va te nuire à toi-même et que ce n'est pas nécessaire. C'est là que je fais des vidéos. Mais vous m'avez entendu me plaindre d'une compagne? Vous m'avez une fois entendu me plaindre d'une compagne? Et je vous ai dit que si une compagne ne bouge plus, c'est elle-même qui est en train de se tuer elle-même. C'est son problème. Ce n'est pas les compagnies, ce n'est pas les gens qui détruisent une compagnie de réseau marketing, d'affiliation. C'est elle-même qui se détruit elle-même. Parce qu'en fonction de ton tam-tam, nous on danse. C'est la philosophie qui est là. C'est-à-dire, si je suis en train de partir, que toi-même tu me bloques, mais je te contourne. Moi, on ne me bloque pas. Mais vous êtes venu là, on vous a bloqué là, vous êtes là. C'est lui là qui a fait haut, c'est lui là à cause de lui là. Vous avez ce temps là, l'eau n'a pas ce temps. Tu le bloques, tu sais, il contourne. C'était la deuxième leçon. Et l'essence de cette leçon, on appelle ça la gratitude. Le premier, son essence, c'était l'humilité. Le deuxième, l'essence que tu dois retenir, c'est la gratitude. Tout ce qui t'arrive, rends grâce à Dieu de ce que cela t'est arrivé. Même si tu ne comprends pas. Tu faisais une affaire, ça s'est arrêté. Tu dis, waouh, quel miracle. Parce que toi, tu attends quelque chose de plus grand. On t'a stoppé parce que quelque chose de plus grand vient. Et effectivement, moi, on m'a stoppé quelque part, mais il y a quelque chose de plus grand que j'ai reçu. Mais comme toi, tu n'es pas dans cette philosophie, tu ne mangeras pas les fruits. Tu ne crois pas? Tu ne mangeras pas les fruits. Il devrait avoir un miracle dans un village. Un prophète a prophétisé qu'il aura temps, demain il aura à manger. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'en aura pas. Il dit que toi-même là, ça va venir, mais tu ne mangeras pas aussi. C'est comme ça. Tu ne crois pas à ce qu'il dit. Tu ne mangeras jamais les fruits. Celui qui te parle là, j'ai presque 50 ans. Tu me vois comme ça là, j'ai presque 50 ans. Donc écoute-moi bien. Troisième leçon fondamentale pour ta vie. Sinon, c'est notre plan business. N'oubliez pas, on est en train de parler d'affaires, l'affaire la plus rentable au monde, ok? Le troisième point important, mesdames et messieurs, chers abonnés, chers amis, mes parents, mes amis qui ont fait les affaires depuis des années. Le troisième point, c'est que si tu veux être riche, hyper riche, il faut apprendre dès maintenant à laver le pied des autres. C'est peut-être dur à avaler, hein? Il faut apprendre à laver le pied des autres. Tant que tu ne prends pas de l'eau pour apprendre comment on lave le pied des autres, tu ne deviendras jamais le plus grand que tu veux être. Grand leader, top leader. Tu veux être top leader, grand leader dans ton domaine, dans n'importe quel domaine, même pas dans le réseau forcément. Là, on est en train de parler d'un business éternel, année sur année, siècle sur siècle, qui marche, qui ne s'arrête jamais.
Troisième option de gain, apprends à laver le pied des autres. Et si tu peux faire ça. Je ne sais pas c'est Zig Ziglar, mais quelqu'un, je crois bien que c'est lui. Je peux me tromper. Il a dit ceci. Si tu veux obtenir, si tu aides les autres à obtenir ce qu'ils veulent, tu obtiendras toi-même ce que tu veux. Jésus dit, qui de vous va être le premier, le top, le top? Il dit, lave, apprends à laver le pied des autres. Et que ce ne soit pas parmi vous comme dans les nations où les maîtres dominent, écrasent les gens. Vous, si tu veux être le plus grand, sers les autres. Or, dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est l'inverse. Les grands ne servent pas. Ceux qui se disent grands ne servent pas. Parce que le grand, c'est lui qui sert. Il sert les autres. Quand on occupe un poste de responsabilité, le but normalement, dans la vision de l'être suprême, c'est d'être à une position de leadership pour servir, pour aider, pour éclairer. Dans le business, servir ne veut pas dire qu'on va donner l'argent, partager l'argent aux gens. Servir, qui va t'enrichir, c'est de faire tout possible, ton possible, pour aider les autres à réussir, montrer la voie, les éclairer, expliquer, aider à comprendre. S'ils ils comprennent, comme tu as la première philosophie, le premier point qui dit que l'être suprême est un être très intelligent qui a créé des gens extraordinaires, qui ont un cerveau, qui ont de l'intelligence. Et si toi, tu appliques la troisième leçon, tu dis que ils sont tellement intelligents que si toi, tu les aides à ouvrir un peu leur esprit, ils peuvent comprendre tout le reste et s'en sortir parce que ce sont des êtres humains extraordinaires créés par un être extrêmement extraordinaire. Donc, dès lors que tu as compris ce point-là, que celui qui va le plus grand, il sert les autres, toi, tu ne peux jamais manquer d'argent. Parce que le bien va continuellement t'habiter et ça a déclenché une autre loi naturelle, surnaturelle, qu'on appelle la loi d'attraction. Tu veux tellement le bien des autres que ce bien t'habite. Et comme ce bien t'habite permanemment, il attire de bonnes choses. Mais imaginons l'inverse. Tu veux l'échec des autres. Tu veux que les autres perdent l'argent, tu veux que les autres soient en dessous de toi, que les autres n'avancent pas. Mais le mal t'habite constamment et tu attires le mal vers toi. Ah oui. Le mal t'habite constamment. Et toute pensée que tu entretiens en toi attire vers toi une correspondance. Tu émets, tu reçois. Ta pensée là, tu émets, tu reçois. Tu émets, tu reçois. Et c'est l'être suprême qui a fait ça dans sa justice. Pour que chacun, selon sa pensée, soit servi. C'est pour ça que je vous dis que les gens que vous voyez pauvres, s'ils changent leur esprit, leur manière de penser et de parler, ils deviennent riches. Et donc, celui qui parfume, il ne sera que parfumé. Celui qui a des pensées bonnes, de succès, de prospérité pour les autres, il ne pourra que prospérer. Et c'est pour ça, connaissant ces lois naturelles, surnaturelles, Jésus, en enseignant ses disciples, leur dit, qui est dans vos vers le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Et un autre pan d'idée, une autre idée encore, relative à ça, est que, si tu veux servir les autres, mais tu seras toujours en train d'apprendre, d'étudier, ou bien d'affiner tes qualités, ton habileté.
pour que tu sois capable d'être à la hauteur de ce que tu vas servir. Il y a un philosophe qui l'enseignait où l'esclave devient roi. À force de servir les gens sont devenus dépendants. Le roi, celui qui se dit grand, il a un esclave. L'esclave fait ceci, l'esclave fait cela. Il lave les scies, il lave les assiettes, il lave la voiture, il fait ceci, il fait cela, il conduit, il fait tout. Pour finir, le monsieur, celui qui est le plus grand, se dit grand, il ne peut plus rien faire sans l'esclave. Qui est devenu esclave? C'est celui qui est grand qui est devenu esclave de l'esclave. Donc, je vais m'arrêter maintenant. Si tu veux être riche, ça est dans ta main. Apprends aujourd'hui à te demander. Suis, t'es ici pour quelque chose. La chose dans laquelle, pour laquelle tu es là, si tu le découvres, commence à être à servir les autres. Dans ta vie de tous les jours, quand tu lèves le matin, comment vais-je faire que les autres prospèrent, avancent dans leur vie, dans leur domaine? Comment puis-je aider les autres à réussir? Mais ce n'est pas comme ça que notre monde fonctionne. Hein? Et tous ceux qui sont riches, ils ont pensé aux besoins des gens pour passer des heures et des heures à réfléchir, à résoudre un problème social, un problème dans la vie des gens. L'Internet est une solution. Quelqu'un y a pensé. Les crypto-monnaies, c'est une solution qui répond à des besoins réels des gens. Pourquoi les gens l'utilisent? Et tous les riches, Amazon, a pensé qu'un jour arriverait le patron d'Amazon, que les gens aimeront faire des achats sur Internet. 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, il y a pensé. Il y a pensé. Vous comprenez? Et il est milliardaire. Elon Musk, patron de Tesla. Il a pensé à des choses qui répondent aux besoins, qui répondront aux besoins des gens. Les riches cherchent à résoudre les problèmes des pauvres. Et les pauvres ne font que consommer. Servir, c'est ça. Réfléchir, créer, inventer, trouver des solutions aux problèmes, c'est penser aux autres. Et ceux qui le font, ce sont eux qui sont toujours riches. Mesdames et messieurs, la deuxième leçon importante à retenir dans ça, c'est il faut servir. En servant, tu vas devenir un homme de plus en plus, une femme de plus en plus performante, un homme de plus en plus performant toi-même. Parce que tu vas exiger plus de toi-même que les gens n'exigent d'eux-mêmes. Je sais de quoi je parle. J'essaie d'aider les gens à réussir, mais je m'impose une rigueur telle que pendant que d'autres dorment, ils sont encore en train de travailler. Et je le fais pas parce que je vais devenir riche, mais parce que j'ai envie de le faire. Hein, c'est ça aussi. Ça veut dire que c'est une passion, ça va devenir une corvée sur ma tête. Et quand tu auras compris ces trois choses, dans la première leçon, l'humilité. Dans la deuxième chose, la gratitude. Et dans la troisième chose, servir les autres, trouver la solution des problèmes des autres. Pas faire d'eux des paresseux, mais leur apprendre comment pêcher en les aidant pour qu'ils même pêchent leurs poissons. Telle est la philosophie que tu dois aborder à avoir dans ta vie pour aider les gens à réussir. Imaginez-vous dans un monde où
Pourquoi l'être suprême a fait ça? Tous ceux qui font des proches ont réussi, hein? Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour harmoniser le monde. Si moi, je te veux du bien, est-ce qu'on va s'entretuer? Est-ce qu'on va se tacler, faire que l'autre tombe, qu'il soit malheureux, qu'il soit pauvre, et puis moi, je me réjouis? Non? J'aide les gens à réussir. Je crée les conditions pour que les gens réussissent. Et je ne, ils ne peuvent pas réussir et puis me laisser. Voilà la sagesse de la vie. Bon, bref. Vous qui avez écouté jusqu'à la fin, félicitations. Vous qui n'avez pas encore écouté, qui n'avez pas écouté, osé écouter parce que ça vous prend du temps, félicitations aussi à vous. Mais vous qui avez écouté et qui allez enseigner à vos enfants, c'est le business le plus rentable au monde. Que même les business viennent, passe, ce business ne passera jamais. Parce que la parole ne passe jamais. Gardez, que Dieu vous garde. Bon succès à vous. Beaucoup de sagesse à vous. La prochaine fois pour un autre numéro.